This is a presentation on the recently revised Standard of Practice for Nurse Practitioners. Ceci est une présentation sur les normes d'exercice pour les infirmières praticiennes qui ont récemment été révisées. As we begin with the presentation, we would like to acknowledge that the NANB office is located on the traditional territory of the Willistoqwik and that all NANB interactions take place on unsurrendered and unceded lands of the Willistoqwik, Mi'kmaq, and Passamaquoddy, as outlined in the Treaties of Peace and Friendship. Voici un aperçu de la présentation. Nous réviserons d'abord le but d'un homme d'exercice. Nous expliquerons le processus de révision entrepris. Nous présenterons la norme révisée. Nous partagerons le plan de mise en œuvre et nous terminerons avec une période de questions et réponses. The Nurses Association of New Brunswick has revised the Standards of Practice for Nurse Practitioners and has received approval from the NANB Board of Directors. During this session, we would like to share the revised standards for NP practice to inform NPs of the changes, to promote the implementation of the revised NP standards, and to support NPs in the application of the standards of practice by providing an opportunity to ask questions. Pour débuter, revenons sur le but d'un homme d'exercice. Les normes d'exercice des infirmières praticiennes sont des énoncés de principes visant à devenir, c'est-à-dire à définir ce qu'est une pratique sécuritaire et éthique exercée avec compétence et compassion dans tous les milieux de travail et vise aussi à répondre aux besoins de santé variés de la population et à l'évolution d'un système de soins de santé dans un cadre favorable à une pratique avancée et autonome des IP. La norme établit les bases réglementaires et professionnelles de la pratique des IP. Leur objectif premier est de définir le niveau de performance attendu des IP et de constituer un cadre de référence pour évaluer les résultats observables. Les IP qui dispensent des soins à la population du Nouveau-Brunswick doivent appliquer la norme d'exercice des infirmières praticiennes et l'IP doit aussi exercer la profession en respectant toutes les autres normes de la profession infirmière, notamment les normes d'exercice pour les infirmières immatriculées, le code de déontologie des infirmières et infirmiers de l'AIC, la norme de documentation, la norme de gestion de médicaments et la norme pour la relation infirmière-client. Here's a look at the process that was undertaken to revise the standards of practice for NPs. The revision of the standards of practice for NPs was completed in collaboration with the College of Registered Nurses of Saskatchewan, as the standards were due for revision in both jurisdictions, and both regulators agreed to complete this work through a collaborative approach. The Nurses Association of New Brunswick and the College of Registered Nurses of Saskatchewan Standards of Practice for NPs have slight variations based on differing legislation and regulatory policies. For example, the College of Registered Nurses of Saskatchewan has moved to recognizing all domains of practice for NPs, while NANB continues with the clinical focus with hope that future revisions of the Nurses Act will recognize all domains of NP practice. For the content development, the revision process included development of guiding principles for the revision, most importantly, to avoid duplication of practice standards for RNs and the NP entry-level competencies, to build on the standards of practice for RNs to reflect the advanced NP scope of practice, and to provide broad guidance that applies to all settings and domains of NP practice. Furthermore, a revision of other healthcare professionals' practice standards was completed, as well as a comprehensive mapping exercise of the standards of practice for RNs and the standards of practice for NPs to all Canadian jurisdictions, except Quebec, to identify similarities, differences, gaps, and common language use. Also, an environmental scan of related documents and trends was completed. Then we moved on with the consultation process that included internal regulatory consultation, followed by external consultation with interested parties and NPs. Then there was revision and consideration of all internal and external feedback, followed by identification and incorporation of content to address gaps, to ensure up-to-date NP practice trends, to address complexity of client needs, and current healthcare state and align with current legislation. And lastly, there was submission for regulatory and legislative approval as per jurisdictional requirements.
requirements. La nouvelle norme d'exercice des IP s'appuie sur la norme d'exercice des infirmières immatriculées sans les dupliquer, puisque l'IP est responsable d'exercer selon la norme d'exercice des infirmières immatriculées et la norme d'exercice pour les infirmières praticiennes. Elle reflète le champ d'exercice avancé des IP. Revisons maintenant les principaux changements pour chaque norme. The title of document has changed. So with the national model of NP regulation, NPs will be educated to provide care to all clients of all ages across the lifespan in all practice settings and be registered under 1P registration category based on the NP entry-level competencies, and this across Canada. So the title of the NP standards document was revised to align with this direction, moving away from referring to primary healthcare nurse practitioners and simply using the title of nurse practitioner. Pour vous donner une idée générale des changements par rapport à l'homme 1, responsabilité professionnelle et obligation de rendre des comptes, on a supprimé la répétition des indicateurs retrouvés dans les normes des infirmières immatriculées, soit ceux qui se rapportaient à la documentation, au conflit d'intérêts, au précepteur au mentorat, à l'intégrité professionnelle et à la conduite éthique, et on a reformulé des indicateurs pour qu'ils se rapportent plus spécifiquement à la pratique IP. On a aussi clarifié de l'obligation de rendre compte en termes de prescription à sa famille et ses amis. Et on a transféré certains indicateurs vers d'autres normes. On retrouve maintenant 5 indicateurs au lieu de 17 sous la norme 1. Dans l'intérêt du temps, nous ne tarderons pas à chaque indicateur. Nous allons faire un survol de chaque norme et expliquer en général comment la norme s'applique à la pratique IP. Chaque IP est responsable de prendre connaissance des normes et des indicateurs qui y sont reliés. La norme 1 établit que les IP sont responsables de leur pratique et de leur conduite professionnelle et qu'elles doivent en rendre compte. Cette norme fait en sorte qu'on s'attend que l'IP exerce conformément aux lois, aux normes d'exercice, au code de déontologie, aux directives professionnelles et aux politiques de l'employeur, ce qui signifie que l'IP doit connaître comment celle-ci s'applique à la pratique IP. Le guide d'études sur la jurisprudence de l'AIINB précise et explique l'influence de la loi et de la réglementation sur la pratique infirmière. Celui-ci est disponible sous l'onglet « Pratique professionnelle » sur le site web de l'AIINB. Cette norme fait en sorte qu'on s'attend que l'IP soit compétente dans sa pratique, ce qui nécessite une auto-évaluation de ses connaissances, de ses compétences et de ses habiletés, ainsi que la participation annuelle au programme de maintien de la compétence de l'AIINB. De plus, l'IP ne doit jamais s'auto-prescrire et peut prescrire à des membres de sa famille et des amis uniquement dans des situations urgentes ou exceptionnelles lorsqu'il n'y a pas d'autres prescripteurs disponibles. Cette norme fait en sorte qu'on s'attend que l'IP assure le suivi des résultats des tests en temps voulu, notamment en collaborant avec les organisations pour mettre en place des systèmes efficaces pour rapporter les résultats. Standard 2 is knowledge-based practice. This is a new standard that demonstrates the application of advanced theoretical and evidence-based knowledge to advance NP practice and to lead change. There are 5 indicators under Standard 2. Standard 2 sets the expectation that NPs integrate and apply a broad range of advanced theoretical and evidence-based knowledge to support safe, competent, and ethical NP practice. This standard sets the expectation that the NP maintains evidence-informed practice by integrating in-depth knowledge from nursing and other disciplines, by using critical inquiry, by maintaining their clinical expertise, as well as by applying and contributing to research knowledge. NPs are required to integrate qualitative and quantitative data from credible sources to make evidence-informed decisions to inform practice. We know that health trends impact care, which makes it important for the NP to continuously assess, identify, and analyze information from various sources to establish these trends. In their advanced practice role, NPs are expected to contribute to, lead, and evaluate the application of knowledge to support, optimize, and evolve the NP scope. NPs play an important role in improving global health, health equity, and health outcomes. To do this, NPs need to understand the historical, political, economical and social systems that impact health. La norme 3 est pratique clinique avancée. Cette norme regroupe ce qui était auparavant inclus dans la norme 2, évaluation diagnostique de la santé, et la norme 3, gestion thérapeutique.
Elle établit les attentes pour la pratique clinique avancée. On y retrouve 15 indicateurs. La norme 3 précise qu'on attend des IP qu'elles appliquent des connaissances, des compétences et un jugement avancé pour évaluer, diagnostiquer et gérer les soins aux clients conformément aux besoins de ces derniers et à la pratique fondée sur la donnée probante. Cette norme, axée sur la pratique clinique, exige que les IP appliquent des connaissances, des compétences et un jugement avancé lorsqu'elles font des évaluations, posent un diagnostic, comment nous interprètent des tests et lorsqu'elles prescrivent. Cette norme encourage la communication et l'éducation, mais aussi la collaboration avec les clients et les autres professionnels de la santé lors de la planification et de la gestion des soins. Lorsque les besoins du client dépassent leur cadre d'exercice prévu par la loi, il est attendu que l'IP collabore, consulte et oriente le client vers d'autres professionnels de la santé. Il est également attendu que l'IP exerce son autorisation de prescrire de manière responsable, ce qui inclut prendre des mesures pour prévenir les ordonnances frauduleuses et le détournement d'un médicament. Standard 4 is Professional Relationships, Leadership and Advocacy. This standard is still centered on health promotion and prevention and the contribution of NPs to the sustainability of the healthcare system. Indicators have been enhanced and are centered on the application of NP leadership skills, collaboration, and advocacy to improve outcomes and support healthcare. Standard 4 sets the expectations for NPs to engage in professional collaboration, leadership and advocacy to influence and support healthcare practice and healthcare reform. This is of utmost importance for achieving optimal outcomes in client care, nursing research, nursing education, health policy, and health systems. It is expected that the NP lead research and implement research-based innovations to improve client and system outcomes, respond to health service and health system issues by designing, applying, and evaluating approaches and services, foster equity, diversity, and inclusion to support access to care through the development of programs and policies, lead health promotion and disease prevention initiatives, contribute to policies that promote anti-racism and social justice in healthcare, and advocate for improved access to healthcare by promoting the NP role. Voici maintenant un aperçu du plan de mise en œuvre. Donc, dans le bulletin électronique du mois de mai, il y a eu un article qui avisait de l'approbation des normes IP révisées. Lors de la première semaine de juin, a eu lieu une séance d'information avec les leaders de la profession et les employeurs. Au cours de la deuxième semaine de juin, il y a eu la promotion des normes d'exercice des IP sur les médias sociaux. Et pendant la troisième et quatrième semaine de juin, on offre des séances virtuelles de questions et réponses pour les IP. Et dans le bulletin électronique de juin, il paraîtra des articles sur les nouvelles normes. Et les normes entreront en vigueur le 1er juillet 2024. The standards of practice for NPs are available on the NANB website under the Professional Practice tab via the Nursing Standards and the Nurse Practitioner web pages. Les infirmières conseils sont disponibles pour soutenir les IP dans l'application des normes d'exercice. Pour rejoindre une infirmière conseil, vous pouvez soit envoyer un courriel ou téléphoner. Les coordonnées apparaissent à l'écran.